Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une expérience de demi-pension que j'ai eue l'année dernière. Donc, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà eu une expérience de demi-pension, il me semble que c'était en 2016, pendant quelques mois avec un poney qui s'appelait Spirit. C'est une expérience de DP dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne, mais encore une fois, j'avais très peu de temps pour filmer. Donc en fait, vous allez voir que j'ai filmé des séquences en fait au moment où j'avais la DP, parce que je comptais vous faire une vidéo dessus pour vous raconter en fait comment ça se passait, etc. Et qu'on puisse en reparler un petit peu ensemble, sauf qu'il s'est avéré que je pouvais pas faire de face caméra et je voulais pas juste vous donner des images comme ça sans explication du pourquoi, du comment ça se passait, etc. Enfin bref, je voulais vous donner un petit peu de contexte et à l'époque je ne pouvais pas le faire par manque de moyens au niveau du timing, ça le faisait pas, etc. Enfin bref, pour plein de raisons. Mais du coup, je voulais quand même revenir sur cette expérience avec vous, puisque j'avais souvenir que la première vidéo sur mon expérience de DP vous avait pas mal plu, et comme celle-ci était quand même vraiment différente, je voulais en parler avec vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Donc je vous insère tout de suite les images en fait que j'avais tournées pour que vous voyez un petit peu comment ça se passait, que vous voyez le cheval, un petit peu l'environnement, etc. Et on se retrouve juste après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu en mode vlog. Donc j'ai un cheval à vous présenter aujourd'hui, un cheval que j'ai pris en DP. Et du coup voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de vous le présenter. C'est parti. C'est un cheval qui est plutôt grand. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Coucou mon loup! Coucou mon loup! Bon, oui. Ce cheval est parfaitement sale. Et bon, on est sorti de la forêt, l'ami. Donc comme je vous le disais, j'aimerais bien vous parler un peu de lui, mais je sais pas trop quoi vous dire. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, parce que je crois que la dernière vidéo sur la DP vous avez quand même pas mal plu. Donc bah voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez savoir sur la DP, sur comment je l'ai trouvé, sur lui, sur ce qu'on travaille, sur comment il est, etc. etc. Voilà, posez-moi toutes ces questions-là en commentaire. Et après je verrai en fait, suivant le nombre de commentaires, soit j'y répondrai... Pépère. La Mimi. Soit j'y répondrai par écrit, soit s'il y en a assez, je pense que je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, donc je voudrais partager avec vous autour de cette expérience de DP, puisqu'encore une fois, la première vidéo vous avait plu, on avait pu pas mal échanger dans les commentaires et ça m'avait moi aussi beaucoup plu. Donc vous inquiétez pas si je regarde en dessous, c'est parce que j'ai mon petit carnet avec mes notes sur les points qu'on va aborder. Donc dans ma dernière vidéo, que je vous mettrai dans le petit i juste là-haut, j'avais divisé la vidéo en plusieurs points, à savoir pourquoi est-ce que j'ai cherché une DP, mes critères, où est-ce que j'avais cherché. Ensuite, il y avait les essais, la relation avec le ou la propriétaire du cheval, et puis un petit bilan. Donc vous allez voir que ça va aller très vite. Pour les trois premiers critères, c'était relativement similaire, à savoir pourquoi je cherchais une DP, parce que j'étais en stage loin de chez moi et que je voulais continuer de monter à cheval. Donc voilà pourquoi je cherchais une DP. Donc même raison que dans la première vidéo. Ensuite, deuxième point, mes critères. Là, pareil, on reste sur la même chose. Ça va être, je cherchais en fait un cheval maître d'école avec qui je puisse faire plusieurs disciplines. Pas forcément de l'obstacle, si jamais je devais me contenter du dressage parce que le cheval était difficile à l'obstacle, que le ou la propriétaire ne souhaitait pas que je saute avec le cheval, c'était pas un souci. Mais voilà, moi ce qui m'importait, c'était que le cheval soit un petit peu une assurance vie. Et au niveau trajet et au niveau budget, donc trajet un peu la même chose, je ne voulais pas que le cheval soit plus de, allez,
20-30 minutes grand max de mon travail et de mon domicile. Enfin, le critère du prix, donc là encore une fois, comme pour ma première recherche de DP, grand maximum, je dirais une centaine d'euros. Donc pour ce qui est de la recherche, encore une fois, même procédé, j'ai cherché sur les sites dont je vous avais parlé dans la première vidéo, donc à savoir Le Bon Coin, à savoir Cheval Annonce et les groupes Facebook de la région. Et par contre là, donc autant ma première DP je l'avais trouvée sur Le Bon Coin, autant là ce qui a été concluant c'était Facebook, en fait un groupe Facebook sur lequel la propriétaire avait mis une annonce en fait de son cheval. La description m'avait bien plu, il avait l'air physiquement, c'était vraiment un cheval qui me correspondait, il était assez grand, il était porteur. Donc voilà, ça me disait bien. Donc j'ai laissé un petit commentaire sous la publication et très rapidement en fait la propriétaire m'a contactée par message privé. Donc voilà, elle m'a demandé si on pouvait s'appeler pour qu'elle me parle un petit peu plus de sa DP. Moi je préfère un premier contact par message, mais du coup on a vraiment pas mal échangé. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Ça c'est vraiment très important quand vous cherchez une DP. Posez bien toutes les questions qui sont importantes pour vous. Le caractère du cheval, comment il se comporte par exemple en extérieur, quelle discipline est-ce que vous pouvez faire avec, etc. Donc moi en tout cas la propriétaire elle a été vraiment très complète à ce sujet là. C'était un cheval qui sortait en saut et en hunter sur des hauteurs à peu près 100-120, donc c'était quand même un cheval qui avait pas mal de moyens. Et ce que je pouvais faire avec lui en fait, quasiment tout ce que je voulais, à savoir dressage, saut, liberté dans le rond de longe et puis balade aussi, parce qu'apparemment voilà, la propriétaire m'a dit qu'il était super calme en balade, une vraie assurance vie, donc moi ça m'allait parfaitement. Également, elle m'a envoyé donc plein de photos de son cheval, donc c'était vraiment super cool. On voyait qu'elle avait voilà, très très attachée à son cheval et qu'elle voulait un peu me partager le maximum d'informations. Et un truc super sympa aussi, directement elle m'a dit voilà, c'est un cheval aussi qui va à la plage, si jamais t'as envie de sortir avec lui, donc en concours à voir ensemble, mais à la plage, je te prête mon vent, il n'y a pas de souci. Donc ça m'a vraiment étonnée, ça m'avait fait vraiment plaisir voilà, qu'elle puisse me dire ça. Après moi j'ai pas le permis E, donc dans tous les cas ça n'allait pas être possible, mais voilà, je trouvais ça super sympa de sa part. Donc également, moi de mon côté, je l'ai bien informé que mon stage ne durant que 6 mois, en fait, je ne pourrais pas prolonger la DP au-delà du mois de décembre. Ça c'est important aussi si jamais vous cherchez une DP pour une durée limitée, de bien le dire au propriétaire. Parce que voilà, moi j'ai été très transparente avec elle, je lui ai dit si vous cherchez pour une longue durée, bah moi ça va pas être possible puisque je termine en décembre. Mais elle m'a dit bah moi ça quelque part voilà c'est pas tellement un problème parce que ça va me donner un petit peu de marge. En fait la DP actuelle du cheval s'en allait et du coup moi j'allais un peu être la transition le temps qu'elle trouve quelqu'un après sur le long terme. Également je lui ai dit que, alors même si on s'en appelle une demi-pension, moi je ne souhaitais pas monter plus de 2 fois par semaine parce que lors de ma première expérience DP, en fait je m'étais rendu compte que 3 jours par semaine ça faisait trop au niveau fatigue, etc. Je ne pouvais pas suivre le rythme. Donc j'ai préféré lui dire tout de suite que moi je préférais venir monter que 2 fois par semaine, potentiellement une 3e fois, certaines fois, enfin certaines semaines exceptionnellement si elle en avait besoin pour lui rendre service, pour pas que le cheval reste au placard ou quoi, bien qu'il vivait auprès, donc c'était pas forcément un souci. Mais je lui dis voilà, exceptionnellement je peux venir 3 fois si des fois ça vous arrange, mais moi je préférais dans l'idéal partir sur un rythme de 2 fois par semaine, tout simplement parce que sinon au niveau fatigue et au niveau travail, parce que je travaillais vraiment à côté, du coup ça faisait un petit peu trop pour moi. Donc ensuite on a programmé un essai fin septembre qui s'est super bien passé. Elle m'a dit je vois qu'il est bien avec toi, donc c'est parti. On n'a pas fait de contrat par contre, comme pour ma première DP, j'ai jamais fait de contrat pour mes DP. Et du coup on a commencé l'aventure comme ça, et franchement c'était un régal, le cheval était un amour. Voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre, il était super gentil. Bon, quelques petits coups de cul des fois des pas au galop, mais c'était très très rare et c'était un peu plus de joie qu'autre chose. Beaucoup de plats, on a fait beaucoup de plats parce que moi je m'aventure pas forcément trop d'instinct à sauter avec des chevaux que je connais pas sans moniteur. Si vous avez vu mon expérience de DP précédente, vous devez un petit peu le savoir. Et donc pour ce qui est en fait de revenir sur les relations avec la propriétaire, ça s'est toujours super bien passé. On communiquait énormément, à savoir moi voilà, je lui disais ce que j'avais fait pendant mes séances, soit de façon très sommaire, soit un peu plus poussée, voilà, en fonction du travail qu'on avait fait. Parfois je venais, je faisais juste une balade et ça, mais mon dieu, mais c'est un régal de pouvoir se dire je viens et aujourd'hui bah soit j'ai pas envie de travailler,
soit avant d'aller travailler, bah, je me fais une petite balade et voilà, et j'ai un cheval qui dit rien. Et... Ou même après une séance, bah, il fait encore un peu jour, ok, bah, on va sortir en balade. Et franchement, c'était mais un régal. Je crois que les balades, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé faire parce qu'on part voilà, tout seul avec son cheval et le cheval dit absolument rien et c'est vraiment que du bonheur. Donc comme je vous le disais, on communiquait énormément avec la propriétaire, à savoir qu'elle, il me semble que c'était les mercredis soirs où elle avait des cours d'obstacles. Donc généralement, le lendemain, moi je faisais un peu de plat avec le cheval pour le détendre, faire un peu de stretching, etc. Voilà, énormément de communication, c'est vraiment super important. On faisait pas sauter le cheval deux ou trois fois dans la semaine. Moi, quand elle me disait qu'elle faisait obstacle, je faisais beaucoup de plats à côté, ça me dérangeait pas. Ou alors on partait en balade pour aérer un peu l'esprit du loulou. Ça s'est toujours super bien passé et j'étais vraiment super contente parce que pour moi c'est comme ça en fait qu'une DP doit se passer. C'est pas chacun fait son truc dans son coin et au final c'est pas forcément bon pour le cheval. Non, on communique et on dit bah voilà, moi j'ai fait du dressage donc tu peux sauter demain. Ou moi j'ai fait de l'obstacle ou j'ai un cours d'obstacle demain donc je préférais que tu sautes pas. Enfin voilà, c'était vraiment super top. Après pareil, ça m'arrivait des fois de lui envoyer un petit SMS parce que je me souviens une fois où il s'était un peu éraflé au niveau d'un membre. Je ne suis pas propriétaire, j'ai très peu d'expérience de DP, quasiment toujours du club, donc je ne sais pas forcément quoi mettre sur les blessures. J'avais demandé au gérant de l'écurie, j'ai prévenu la propriétaire en lui disant voilà, il a un petit pet à cet endroit-là, voilà ce que je lui ai mis. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, je vérifierai demain. Enfin voilà, toujours très très fluide au niveau de la communication. Et je me souviens aussi d'une séance que j'avais vraiment adorée où j'avais enchaîné un petit parcours avec le cheval et c'était mais un vrai régal. Franchement, j'avais pas mis haut parce que moi je sautais, enfin en gros ça devait être hauteur club 3, un truc du genre vraiment pas haut du tout par rapport aux capacités du cheval, mais de toute façon mon but moi c'était pas non plus de l'exploiter, il sautait avec sa propriétaire, moi j'avais pas de moniteur, etc. Donc hauteur club 3 ça m'allait très bien et en fait c'était vraiment mais un régal le cheval, super, et comme il faisait du hunter en fait, super réactif, il avait des foulées super ample en fait et c'était un vrai régal parce qu'il suffisait de fermer un tout petit peu ses doigts sur les rênes et hop il s'asseyait et il remettait une foulée parce que bah, il était habitué en hunter tout simplement avec sa propriétaire à être très très réactif en fait à ce qu'elle lui demandait. Donc voilà, ça a été un pur plaisir d'avoir ce cheval en demi-pension, un vrai régal. Malheureusement la demi-pension a dû se terminer plus tôt que prévu, donc on a dû commencer la DP fin septembre et elle a dû se terminer peut-être 2 mois après au lieu des 4 mois prévus jusqu'à fin décembre, tout simplement pour des raisons logistiques. En fait, moi je ne pouvais monter qu'après mon travail, donc aux alentours de 19h. Le cheval était au pré, donc il fallait, comme vous l'avez vu dans l'extrait vidéo juste avant, il fallait traverser en fait toute une forêt. Donc tant qu'il faisait jour, ça allait. Quand il commençait à faire noir, qu'il n'y avait plus personne aux écuries, qu'il fallait faire toute la route jusqu'au pré pour aller remettre le cheval dans son pré, sachant qu'il n'y avait aucun éclairage, qu'il fallait vraiment traverser la forêt, c'était pas rassurant du tout. Et voilà, et moi j'avais du mal. On était peut-être mi-octobre, les jours commençaient vraiment à raccourcir. Et quand je descendais de cheval, il faisait nuit tout simplement. C'était vraiment pas rassurant pour moi, même avec la lampe du téléphone, etc. Donc j'en ai parlé à la propriétaire. Je lui ai dit, écoute, moi je suis très très heureuse dans cette demi-pension. En revanche, voilà, pour des raisons logistiques, je ne peux monter que le soir. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué avec le fait de devoir ramener le cheval au pré quand il fait vraiment nuit noire, traverser la forêt et tout. Je suis pas hyper rassurée, voilà, j'ai préféré être très honnête avec elle. Ça a été une décision commune avec la propriétaire, tout simplement parce que le cheval était au pré, voilà, il est en pension pré. On n'allait pas le faire passer en pré-box juste pour moi et entre guillemets juste pour mon petit confort. Mais voilà, moi je ne me voyais pas au niveau sécurité, au niveau mental, etc. Je voulais pas que ça devienne une corvée en fait de venir monter ma demi-pension en sachant qu'après j'allais devoir le ramener. Vers peut-être 21h et qu'il faisait nuit et qu'il y avait la forêt à traverser et que voilà, moi au niveau psychologique ça me dérangeait, donc vous allez peut-être trouver que c'est un truc de chouchotte ou j'en sais rien, mais voilà, moi je vous donne mon ressenti en toute honnêteté. J'ai été aussi très transparente comme je vous le disais avec la propriétaire et donc d'un commun accord on a arrêté la demi-pension à peu près 2 mois après son commencement.
Donc voilà pour ma deuxième expérience de DP. Ce que j'en retire, c'est vraiment que des bons souvenirs, une très bonne communication avec la propriétaire qui était vraiment super gentille. Un cheval, c'était une perle, vraiment une assurance vie, assurance tout risque, tout ce que vous voulez. Il était super gentil, le modèle parfait pour moi. Voilà, c'était vraiment que du bonheur. Ah, également aussi, je vous ai pas dit, mais au niveau matériel, du coup, la propriétaire me laissait à disposition une selle mixte et une selle de dressage. Donc moi, celle de dressage, j'étais aux anges. Voilà, elle me laissait les affaires du cheval. Moi, je ramenais en général un amortisseur et des fois un tapis. Mais sinon, voilà, j'avais le matériel de la propriétaire à disposition, donc très important aussi. Donc voilà, ça a été vraiment une expérience très très riche, très très enrichissante et j'en garde que du positif en fait. Et s'il y a bien une chose que je retire de ça, c'est que la communication, c'est clé avec le propriétaire. Voilà, quand vous faites des exercices, ça paraît logique pour certains, ça paraît pas évident pour d'autres, mais il faut vraiment communiquer avec le propriétaire ou la propriétaire du cheval pour savoir ce que chacun fait, pouvoir adapter l'emploi du temps du cheval en fonction. Et voilà, encore une fois, moi j'ai été super heureuse, triste que ça se termine aussi vite malheureusement, mais bon, c'est comme ça, et voilà, j'espère que j'aurai d'autres expériences de DP par la suite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai encore une fois soit directement, soit si je vois qu'il y en a plusieurs, je vous ferai peut-être une réponse directement en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère pouvoir échanger avec vous en commentaire autant que sous la dernière vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.